Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, l'impression 3D est finie. Je te montre. Voilà, décollage de print de cette magnifique impression 3D. Et on va aller régler ce petit problème là, vous voyez? Là, vous voyez qu'il y a un petit souci là? Là. Je vais vous montrer comment j'avais fait sur une autre print où j'avais eu le même souci, les amis. En fait, j'avais eu le même souci sur le château. Ce château là, vous vous rappelez le château de vampire? Eh bien en fait là, j'avais imprimé une plaque et j'étais venu coller avec de la colle pour boucher tous les trous, pour pas que ça se voit. Et le résultat est plutôt joli, non? Eh bien on va faire la même chose ensemble en vidéo tout de suite maintenant. Comme il me faut juste des petites lamelles fines, je vais juste relancer l'impression pour avoir juste des petites lamelles fines. Vous voyez? En attendant, je vous montre l'impression en plein jour, c'est juste magnifique. Regardez le filament rose jaune de chez Wanao. Et c'est une demi-lune, tu vois le bail? Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou les gars. Montre abonné pour bien que tu voyes. Regardez. C'est une œuvre d'art quoi. Une œuvre d'art en objet déco, c'est juste magnifique. Tu vois la demi-lune là, de dos? Non mais c'est de la folie. C'est de la folie. Tu as côté rose, côté jaune. Waouh. Magnifique. Regardez la taille du fichier, tu vois, je le fais bien exprès de le prendre dans la main pour que vous voyez. Il est juste énorme. Oh. On va aller faire les finitions, mais waouh quoi. Waouh. Ça, c'est un objet déco de ouf, les amis. Réalisé avec une FLSON V400, bien sûr. Bon, alors on va faire les finitions. Quand j'ai des petites lamelles de plat comme ça, là, je vais venir les découper et je vais venir boucher tous les petits trous comme ça. Tu peux aussi le faire avec un stylo 3D, bien sûr. Un petit peu de colle, moi j'utilise ça, ça colle très bien. Tu vois, il ne me reste plus que là à faire, là, c'est fait, là, c'est fait. Il ne reste plus que là, à faire. Là et là. Tu vois, regarde, je vais en avoir assez, là, de petites couches fines. Là, ça va être bon, ça. J'ai annulé l'impression et je vais venir récupérer toute cette matière-là. C'est la jupe, en fait, que j'utilise pour boucher les trous. Faire bout par bout, là, tu vois. Là, un petit bout, on va aller le poser là. Vous voyez ce petit pont-là, il y a un petit bout. Eh bien, on va utiliser cette petite jupe là. Voilà, ça va être sympa ça. Voilà, les finitions sont finies. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça pourrait être mieux, bien sûr. Ça peut toujours être mieux. L'idée, c'est d'imprimer ça avec du filament ardoise. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et de venir faire une décoration avec de la mousse. Mais il y en a d'autres, des fichiers comme ça. Marquez-moi dans les commentaires quel genre de fichier comme ça vous voudriez que je vous fasse. Je vous montre ce que ça donne. On se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce filament. Filament qui est à la fois jaune et à la fois rose. C'est le filament magique jaune-rose de chez Wanao. Donc n'hésitez pas vraiment. Il est en vente sur le site d'LV3D. Voilà, j'attends vos commentaires. Et puis, ben, dites-moi si vous voulez faire la même chose. C'est plutôt une très, très belle réalisation, non? Moi, je kiffe, les gars.